Galaxy d'Amnéville pour les finales et les deux manches SX2. Nous sommes sur la 6e épreuve du SX Tour 2015 et on annonce déjà une soirée magnifique pleine de bagarres. On commence tout de suite par le SX2. 15 secondes. Sur la première manche SX2, tout à l'intérieur, Simon Mallet en pole après avoir largement raflé la mise sur les essais chrono. Mais le all-shot est signé à Jos Salfranc. Il se retrouve au coude à coude avec Richier. Arrivé dans les hoops, Mallet revient sur eux et passe en deuxième position. Hirsuti et Lopez se faufilent à l'intérieur, mais Richier, mieux placé pour l'enchaînement suivant, conserve sa troisième place pour le moment. Bon, ça va être chaud, il faut s'extraire. Thibault Laurent, le numéro 28, qui réussit malgré... Au troisième tour, et après plusieurs attaques infructueuses, Mallet est revenu sur Salfranc et profite d'être plus vite dans les hoops pour virer en tête. Lopez est troisième, talonné de près par le trio Hirsuti, Richier et Do. Il faudra quand même un long moment pour voir Hirsuti attaquer enfin Lopez pour le gain de la troisième place. Devant, Mallet est déjà loin et Hirsuti tente de revenir sur Salfranc. Mais le pilote Honda semble en grande forme et tient bon face à la fougue du Provençal. Ça va, 4 tours de l'arrivée. 4 tours de l'arrivée maintenant. 4 tours tout complet pour Simon Mallet, numéro 555. Malgré beaucoup d'efforts et un très gros rythme dans les hoops, Hirsuti ne parviendra pas à le reprendre. Derrière, Do a quand même réussi à venir à bout de Lopez pour limiter les dégâts au championnat et boucler cette course quatrième. Victoire incontestable de Simon Mallet devant le surprenant Jos Salfranc et Yannis Hirsuti. Deuxième manche, all shot de Tomado, le leader du championnat, mais très rapidement il voit le fougueux Simon Mallet qui revient et le passe en fin de premier tour. Et juste derrière, on a Salfranc et Lopez en 3 et 4e position. Hirsuti a encore raté son départ, il n'est que 7e en fin de deuxième tour. À l'avant, ça ne bouge pas. Mallet 1, Do 2. Lopez et Salfranc s'accrochent. Le pilote Honda reste au sol. Laurent, Richier et Hirsuti en profitent pour passer Lopez. Thibault Laurent est solidement installé à la troisième place quand il voit revenir Richier. Un peu optimiste à l'intérieur, ça ne passe pas pour le pilote JPM qui finit au sol. Dans l'ordre, Laurent, Lopez et Hirsuti se battent pour la troisième position. Mais le pilote KTM sort et maintenant Hirsuti va s'attaquer au surprenant Thibault Laurent. Et ça finit par passer sur une belle action propre de la part du pilote Yam juste à la sortie des hoops. Mallet, Do, Hirsuti, c'est le tiercé gagnant de cette deuxième manche et 6-2. À l'arrivée des essais chrono, j'avais dit à Simon Mallet, on sait que Do et Hirsuti sont les deux hommes forts de la catégorie. Il m'a dit non, j'en fais partie. Ce soir, c'est Do et Hirsuti qui vous entourent sur le podium. Vous avez remporté les deux manches. Vous avez été vexé, vous vouliez me montrer que vous étiez le plus fort? Ouais, pas vexé, mais bon, hier, pas une super soirée, donc aujourd'hui j'avais à cœur de mieux faire, donc une bonne qualif, donc une bonne place sur la grille, ce qui n'est pas le cas hier, et puis deux bons départs, je suis vite passé en tête dans les deux manches en doublant mes concurrents, et puis je suis parti devant, donc super, un bon feeling, comme je roule à l'entraînement, donc c'était super.
Je remercie tous mes sponsors et puis mes parents, ma copine, tous les gens qui me soutiennent et puis voilà. Tomado reste leader du championnat avec 118 points et déjà une belle avance de 23 points sur Hirsuti, 25 sur Malais et 26 sur Richier. On passe maintenant à la catégorie reine du SX1 et la finale. Greg Aranda a fait le meilleur temps au chrono et occupe la position la plus à l'intérieur, juste à côté de Souberas. Au départ, c'est Valentin Tellier qui surprend tout le monde avec un très bon envol à l'extérieur. Mais dès le deuxième virage, Isoir vire en tête, Loïc Rombaud enchaîne derrière. Et ensuite, on a Bog et Aranda. Aranda qui passe rapidement l'Alsacien, qui se retrouve au sol un tour plus tard et voit tous ses adversaires lui passer devant. Coup dur pour le champion de France 2015 de motocross. Isoir est toujours leader devant un excellent Loïc Rombaud. Habitué au coup d'éclat inattendu, le Parisien fait une première partie de course fantastique car il se permet d'aller taquiner le quintuple champion de France de supercross. Ça ne passera pas, mais il aura tenté. Aranda en profite pour revenir dans la roue de Rombaud après la chute de Bog et le passe à la sortie des Whoops. Il est maintenant deuxième. Et c'est au tour de Souberas d'attaquer Loïc Rombaud, sans doute un peu juste physiquement. Un inter propre qui le propulse à la troisième place. Dans le trafic et au milieu des retardataires, impossible pour Souberas de recoller aux deux hommes de tête qui vont se livrer un mano à mano fabuleux jusqu'à la fin de cette finale. Aranda a tenté sans trop en faire. Ami d'Isoir et surtout hors du championnat, il n'a pas souhaité aller au contact et compromettre la victoire qui tendait les bras à Fabien Isoir. Tu l'as vécu toi cette finale? Oui, c'est vrai, ça a été une très belle finale. Greg nous a fait mentir hier avec son physique. J'ai commis une grosse erreur dans la section de hoops dans le dernier tour. J'ai accroché le sélecteur et j'ai fait un point mort. Du coup, je suis rentré avec très très peu de vitesse dans les hoops et Greg, ben voilà, a fait un passage encore de folie dans le dernier tour. Il m'a fait deux grosses attaques dans les deux derniers virages. Donc ça prouve bien qu'il avait du physique hier. Et voilà, j'ai réussi à rester devant coûte que coûte. Et réussir à même poser pour une deuxième fois, c'est vraiment bien. Voilà, c'est le bon augure pour la suite. Rendez-vous à Lille ? Rendez-vous à Lille. Alors, on se retrouve à Lille les 14 et 15 novembre prochains sur la page du SX Tour. Ciao, ciao.